Allez, si boss, je suis en ville. Oui, bonsoir. Salut, patron. Bonsoir. Allez, on est parti. Service taxi. Service taxi. Disponible. Est-ce que tu veux qu'on prenne d'autres pick-up aussi là? Je pense pas qu'on a besoin d'être beaucoup. Si on transporte de trop et qu'on se fait choper tous, on perd beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux faire de petits trajets avec peu de mules, quitte à ce qu'on perde pas grand chose, mais qu'on prenne le moindre risque possible. À mon avis, ça me semble le plus judicieux. Je pense qu'on peut prendre plusieurs mules, mais qu'on les envoie pas toutes en même temps sur le point. Même si on a 3, 4, 5 mules qui tournent, c'est pas gênant, on ne sera pas tous contrôlés. Oui, j'avoue. Ouais. Mais il nous faut plus de guetteurs, alors 2 guetteurs, c'est pas suffisant. Si vous voulez, soit je guette, soit je fais mule, c'est vous qui voyez. Je pense que pour ceux qui ont des jolis GoPro, je pense que pour l'instant vous allez juste guetter. Alors envoie-moi le point avec exactitude où tu veux que je guette et j'irai. Et vous savez, je l'ai mis dans le tableau action. C'est le point exact où il y a le truc. Pour l'instant, j'ai mis 2 guetteurs, mais si on est plus, il faudra juste qu'il y en ait un qui tourne sur une petite route qui est près de la mer. Et puis c'est tout. Ok, il est là poison ou pas? Peut-être, j'en sais rien. Ok, s'il est là, prenez-le en mule, vu qu'il a pas de GoPro. Ça va, j'ai bien pris. Et il a un van. Pas moyen que je bouge mon cul pour ça, j'ai de l'argent à faire. Ouais, comment tu vas faire? Il est connu pas un service de police. Comment tu vas faire les lovés là? Les lovés? Ouais. Je les récupère, moi, les lovés. Oh putain, y'a du monde à la salle, attendez, je raccroche. Ah putain, toujours. Ah pas. Bonjour, patron. Ouais, ça va? Ça va et vous? Ouais, y'a du beau monde ici là. Ouais, y'a du monde qui fait du sport. Messieurs, le coffre d'un rebelle, le véhicule. Non, du tout, y'a deux policiers. Il porte que 25 kilos. Ok, je savais pas, il avait acheté. Attention, véhicule pas de saut, si tu te viens de. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bah après, y'a pas de plaque sur les 5 chaises. Vous allez bien? Oui, mais si. Merci, ça va. Arrêté. Si ça va, alors tout va bien. C'est quoi cette couleur de cheveux, monsieur? C'est. Alors, je vous explique. Dis-lui. En gros, si vous voulez, il y a des roues chez nous qui font un peu, qui pleurent un peu. D'accord. Et du coup, nous, pour les soutenir, on a créé l'association des roues pleureuses. Voilà. Et du coup, en forme en signe d'affection, on s'éteint tous, toute la SPD s'éteint en roues. C'est ça. C'est pour ça qu'on pour a un peu en roue libre. Les roues. On a un peu en roue libre quand même. Voilà. Ouais, messieurs. Ok. Est-ce que vous avez vu Souffre dernièrement, boss? Ah non, pourquoi? Je sais pas. J'essaie de l'appeler, il répond pas. Et il est pas radio. Il est pas radio? Et vous êtes sûr qu'il est en ville? Ouais, on l'a vu tout à l'heure et il a dit bonjour tout à l'heure. Et il s'est proposé pour faire qu'on s'appelle Getter. Donc je sais pas. Je commence à m'inquiéter. Ok, si vous avez plus de nouvelles, messieurs, on essaye tous de le joindre et y a peut-être pas grand chose, sinon il aurait dit le signal. Bah peut-être qu'il a pas le temps. Si ouais, jamais. J'ai essayé de lui téléphoner, il répond pas. On attend quelques minutes et j'essaye d'appeler, d'accord messieurs? Ok. Je lui envoie un texto. Bon, vous m'entendez? Ça va oui, je vous entends très bien, vous allez bien? Ah, oui, ça va, et vous? Oui, vous avez besoin d'un taxi? Ouais, je suis au niveau de la vente d'essence de raffineur, là. Ouais, très bien, j'arrive tout de suite. Que je trouve un Bobcat aussi, c'est ça? Ouais, Bobcat, s'il te plaît. Ok, ça marche. Messieurs, je vais au niveau de la raffinerie, il y a quelqu'un un peu essoufflé qui m'a appelé pour un service taxi, donc si jamais il se passe un truc, je vous donne le signal, ok? Ouais, quel côté de raffinerie? Raffinerie, je sais pas, raffinerie m'a dit niveau essence, j'ai pas trop compris. Ok, parce qu'il y en a 3 des points, je crois. Hein. Il avait l'air essoufflé, en tout cas. Et messieurs, pas pour ce soir, parce qu'on indiquait pas là, mais si jamais vous êtes dans vous êtes vers le nord et vous faites arrêter par le BCSE, qu'un agent vous demande comment vous allez, vous dites que vous allez bien en plaçant le jour de la semaine. On est. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi, vous dites je vais bien comme un lundi. Et normalement, elle vous laissera partir sans prendre votre identité. Pourquoi ça? C'est un code qu'il a décidé, lui, pour nous laisser tranquille. Ah oui, c'est lui qui nous demande comment allez-vous. Ok, en théorie, une voiture banalisée, un SUV de BCSO. Vous faites votre truc de vêtements 14 sur 14. Ok. Je vais bientôt prendre position. Est-ce que j'ai le temps de desservir un client quand même, vite fait? Oui, allez-y. Ok, c'est vers les ports que le client m'a appelé. C'est raffinerie, centre-ville. Ouais, désolé pour moi, je peux pas retourner en ville. Gros problème. Je peux rien faire, désolé. Bonne soirée à tous. Vas-y, bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. Bon, ciao. On va essayer de faire le traitement de tout ça quand même. Pour l'info de Saphir, je vais m'occuper de surveiller tout ce qui arrive du chemin en terre. On a certes. Bien compris. Vous allez bien? Ouais, ça va, moi, je vais à rendez-vous et je peux vous aider juste après. Très bien. Vous avez l'air essoufflé, messieurs? Non, sans plus, je parle tout le temps comme ça. D'accord. Gold, besoin si je peux rien me chercher. Il faut faire le temps là. Voilà, ah ouais, putain, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je travaille ici, je suis raffineur. D'accord, et vous avez perdu votre véhicule? Non, j'ai dû faire une soirée hier soir et j'ai dû atterrir ici, je pense. Ah d'accord, sacrée soirée chez les raffineurs. Ouais, on s'amuse bien. Allez, c'est parti. Eh ben, pour aller venir vous chercher, c'était pas évident, hein. Éviter les soirées à des endroits aussi loin quand même. Ouais, mais je sais pas ce qui m'est arrivé, en plus j'avais
sorti de téléphone aujourd'hui, donc c'était vraiment la galère. Ouais, je comprends. Bah là, c'est un coup à se réveiller avec un trou de balle énorme. Hein. Ouais, ouais, non mais ça va, je battais pas, donc je me suis dit que ça a dû bien se finir. Ouais, ça va, là. Ouais. Touchez quand même, hein, la prochaine fois, au cas où. Ouais, mais je ferai plus attention la prochaine fois. Hein. Ah oui, on sait jamais, ça va très vite. Avant les murs, je vous attends devant les journalistes. Voilà, monsieur. Nickel. Allez, c'est bon, vous pouvez descendre. J'arrive vers vous. Yep. Allez, Breaking News, c'est plus trop ça, la fiabilité, apparemment. Ouais, je vois ça, ouais. Je vous dois combien ? Gray en route pour faire ses courses. Ça fera 200$, monsieur, je vous donne la facture. Hop, voilà. Ah ouais, putain, très bien. Ça a changé, le taxi. Ah, pourquoi, monsieur ? Ah, d'habitude, c'est moins cher, mais c'est pas bien grave. Ah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on a fait 5 km pour venir vous chercher et 3 km pour vous... Ah, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais je rigole. Oh, y a pas de souci, je comprends, monsieur. Mais vous savez, c'est difficile pour tout le monde. Exactement. Ouais, c'est la crise. Allez, bonne chance à vous, en tout cas, monsieur. Ouais, merci, vous aussi, passez une bonne soirée. Monsieur, je rentre au service pour me mettre en tenue civile pour la garde. Est-ce que quelqu'un peut venir me chercher ou je me démerde ? Moi, perso, je suis dans le nord, là, donc je pourrais pas. Ok, bon, bah, je me démerde. Et pour ma part, je suis chargé, donc c'est pareil, je vais pas pouvoir. Ouais, Gold dispo si tu veux. T'es en tenue ou pas, de boulot ? En civil. Vas-y, viens me chercher au service taxi. On va aller au point qu'ils nous ont donné pour surveiller. En déplacement pour la blanchisserie. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Ça c'est va. Voir si ça vient, ça va venir du. Tu sais, d'un vas-y, côté on ou met de l'autre point de surveillance. De la rive. Ouais, je vois les deux côtés de la rive. Non, je par contre, l'autre côté, y'a pas de route, c'est qu'un chemin de randonnée. Saphir, regarde tes mails. Messieurs, pour. Je vois deux points de surveillance. C'est ça les zones rouges ? Ouais, c'est des zones à surveiller, mais c'est pas... Okay, après, c'est pas besoin de rester statique à ces points, c'est être en position on tourne. Voir ce qui se passe ici, voilà. Ouais. Je vais comprendre ce que tu m'as envoyé. Ok, nous, on prend la droite. Hein. Ok, ouais, c'est bon. Là, c'est un point de vue où tu peux voir d'en haut. Allez, vas-y. Ah oui, je crois que je vois le point dont tu me parles. C'est pas qu'on est en voiture pour ce terrain-là, mais bon. Si, si. Messieurs, on va juste en voiture en civil et on va juste se balader là-bas en boucle jusqu'à ce que vous soyez tranquille, d'accord ? Pas de soucis. On prend le point de droite, Poison. Ça va à combien cette voiture ? Putain, par contre, un accident, on est dans une sauce. Wouah ! Et tout à l'heure, on ira à l'hôpital, tu préfères en route ou pas ? Concernant les règles d'intervention, si jamais, est-ce que si par exemple il y a un contrôle qui se passe mal, il y a qu'une voiture, est-ce qu'on intervient ou on laisse le gars se faire choper ? Désolé. Si jamais il y a un gars qui est en train de traiter ou qui s'en va, qui se fait arrêter par une voiture de police pour un truc à la con, genre excès de vitesse, priorité pas respectée, est-ce qu'on intervient en nombre pour effrayer le flic et permettre à notre gars de se barrer ou on le laisse se faire... Pas tout de suite, messieurs. Il a dit qu'il commence à fouiller, il laisse la radio allumée et puis là on débarque. Ok. Moi je pense que le mieux c'est que si c'est les mecs qui sont chopés, il faut intervenir, sinon on s'en fout. Mais s'il se fait pas fouiller, juste... Si on sait pas contrôler avec cette voiture-là... Juste comme ça, non. Mais s'il propose une fouille, là on intervient. Donc n'oubliez pas, si jamais vous vous faites arrêter, gardez radio ouvert. Ouais, bon, j'ai un visu sur le... Et si jamais ils veulent nous fouiller, sur le point. Attendez, vous voulez qu'on se mette en tenue pour la surveillance ? Non. Parce que nous, on fait les civils, là, on fait genre la balade, ouais, c'est vois. Ça. Mais s'il y a un problème, on met tous un masque en 2 secondes. Ah, ouais. Et on se changera après. On s'en fout, tout le monde porte les mêmes freins, on s'en fout. Les deux chemins qui longent la rivière côté est, c'est en surveillance de ma part. On va faire il faut qu'il y ait une surveillance sud et une surveillance nord. Nous, on va au point de droite tout simplement et on va naviguer comme un colis. Ok, donc ça, c'est côté sud. Il faut juste que quelqu'un s'occupe de tourner côté nord, même si je pense que vous, ça va suffire. Il faudra juste qu'une des mules tourne en attendant et qu'il y en ait deux qui traitent. Et après, les deux qui ont traité, il y en a un qui met tout dans un coffre. Lui, il part direct au journaliste déposé. T'inquiète, viens vers moi, on va partager ce que j'ai. Nous, on est dans une voiture rose de sport, si jamais. On nous voit à 10 km. Mais il n'y aura rien de mieux pour faire diversion. Elle va pas si vite que ça, hein, malgré l'aileron et tout. Hein. Ouais, non. À part dans la croûte. Ouais, attends, je vais essayer. 180. Ouais, c'est pas fou. Hein. Ça a l'air de stagner à 180, ouais. 190, là. Oula. Est-ce qu'on se prépare à faire quelque chose ou quoi là ? Vas-y, descends un peu doucement, tout doucement. C'est des pneus, ça glisse vite. Position, voilà, rattrape le chemin de terre, là. Ça va le faire. Donc c'est allez, vas-y, go. On a pas pris la meilleure voiture. L'important, c'est que tu l'abîmes pas. Qu'on soit pas suspect. Heureusement, les chemins ont déjà été faits par des quads et tout. Ouais. Identité, bien sûr. Voilà, en contrôle déjà. Black, il fait la mule ou pas ? Non, il a rien sur lui à part une AK. Ouais, il a une voiture rose qui passe, ok. C'est bon. Ok, je t'ai répété sur le chemin. S'il y a un contrôle, s'il y a une fouille, on devrait se tenir prêt, je pense. Ça va être compliqué pour la fouille. Ouais, nous on est dans une sauce, mais vous pouvez commencer, on vous rejoint. Ok, je me rapproche. Oh, je le sens pas. S'ils sont trois, ça me paraît compliqué. Un ami, il va pas le fouiller, je pense. Ouais, s'il le fait. Loïs Rosso sur la plage. Ça, faudrait voir avec lui, hein. Ah, ça va être beaucoup mieux. J'ai quitté le point, je vais vers... comment ça s'appelle ? Vers les journalistes pour déposer. Il se fait fouiller vers où, là ? Dites-moi. On sait pas s'il se fait fouiller. Il se fait pas fouiller. Contrôler les papiers, Superette... Superette de Sandy Shore. Bon, tu vas faire un tour.
de Sandy Shore au sud de l'aéroport, du lac, pardon. Ouais, non, c'est bon. Vous voulez qu'on se rapproche de lui ou pas? Perso, je me rapproche, mais ouais. C'est toi la moto? Oui. On va faire un tour, de toute façon. Hein. Ouais, véhicule BCSO qui vient vers vous, une sirène allumée. Ok, on vient de croiser le BCSO, putain. Mais c'est bon, pas de contrôle pour nous. Heureusement que j'ai un tien. Une jolie voiture rose, Merci. On savait que ça allait vous plaire, messieurs. Ambre, est-ce que tu peux m'envoyer une photo avec le point précis du traitement, s'il te plaît? On sache comment surveiller et optimiser notre... Tu peux? Il est pile sur le point blanc, mais ouais, je peux vous envoyer une photo si vous voulez, j'arrive. Ouais, s'il te plaît, essaye de m'envoyer ça vite fait. Pour vraiment qu'on puisse optimiser notre trajectoire. Ok, ouais, les gars, on vient de passer devant Black. J'hésite à insulter les flics pour les provoquer un peu. Ouais, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Vas-y, fais le demi-tour, avec notre voiture rose. Ouais, je pense que juste avec la vitesse, on peut aimer. Vas-y, ouais, on va passer devant à toute allure, les gars. Ah, il faut vous mettre une amende, non? Bah, c'est pas grave, qu'il le lâche un peu la grappe, là. On a autre chose à foutre. Ping pour radio, je suis en salle de réveil, je viens un petit accident, mais tout va bien. T'as quand même eu les subventions, j'espère. Bah, ça m'a coûté mon séjour à l'hôpital. C'est pas là? Mais qu'est-ce que tu l'as dit, putain? Oh, bah, mettez leur fou rire, alors. Aucune réaction. Tu veux que je tire ou pas? Tu veux que je tire? Alors, non. Je me bats. Non. C'est concentré sur un seul point. Tu as plus attirer l'attention sur Oban que lui. Que toi, que tu... Ouais, j'ai failli le faire. Bonne soirée à vous. Okay, c'est bon, il pourrait croire que c'est un coup de garde. Vas-y, on repasse en surveillance. Une autre voiture qui arrive sans ses phares du BCSO. Il manquait de les percuter, ce connard. Bonjour, messieurs. BCSO, vous pouvez vous garer sur le côté, s'il vous plaît? C'est bon, messieurs. Simple contrôle. Simple contrôle? Y'a pas besoin d'aller à belle vitesse. Tout allait bien, messieurs, quand même. Bah et alors, on a le droit de contrôler qui on veut, ce que ça change en ville, monsieur? Je sais pas trop, non? Madame 77, on a... Il y a un monsieur derrière, si vous voulez. Il y a un monsieur, allez contrôler le monsieur derrière. Bah non, c'est vous qu'on veut contrôler. Ah bon? Je crois que c'est pas. Ils se font vraiment chier, putain, c'est incroyable. Ils remontent à pleine balle dans leur véhicule. Ah bonjour, messieurs, bonjour, très belle arme, là, que vous avez là, putain. C'est quoi, c'est du G36, ça, non? Ah, fais-leur ta meilleure blague. Est-ce que vous pouvez me présenter votre carte d'identité, le permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur? Moi non. Mais vas-y, hein, si tu veux, Parkinson. Ouais, j'ai ma carte de... carte de voiture. Allez, salut les salopes! Non, je rigole, c'était une blague. C'est bon, dites à votre pote de décompresser, là. C'est en véhicule, monsieur, pour votre sécurité, ce sera plus simple. Monsieur Shepard, c'est quoi la photo? Monsieur Shepard, s'il vous plaît. Comment? Sortie de Sandy Shore, on m'avait demandé un chasse de le marchand de légumes là, en direction route. Ah, au bout, en face, c'est le. La voiture banalisée qui vient de passer devant moi, la supériorité. Vous voulez mon permis de peut-être? Ils vont vers le. C'est pas une voiture de shérif qu'on vient de voir, mais vous êtes combien de voitures là pour un contrôle, putain? Trois voitures du BCSO! Qu'est-ce qui se passe ici, messieurs? Bah, d'être un peu contrôle, messieurs. Des contrôles? Vous contrôlez quoi? Des cougars? Parce que. Voilà, c'est un 4 qui est là-bas sous joint. Ouais, t'as vu? Oui, monsieur, je m'arrange. Monsieur Shepard, vous savez que le holster à la cuisse est interdit en ville? Non. Oh putain, on lui a pas dit. On l'a jamais dit ça par contre, non. On lui a pas dit? Non. Bon, bah alors sachez que c'est interdit. Bah oui, je t'ai dit, mais dans ton calbut, ton brolic, putain. Ouais, bah bon. En ville ou en campagne? Ton AK-47, tu l'as mis où? Partout, dans toute la ville. Ah, parce que l'Expedi m'a jamais rien dit, hein. J'étais même devant l'Expedi tout à l'heure. Vous ne donnez pas les informations qu'ils ont en leur possession, ça les regarde, mais nous on a des informations et on nous a certifié comme quoi le holster de cuisse ou le holster de hanche est interdit en ville. Donc nous on fait juste un simple rappel à la loi. Moi je dis que c'était déconseillé de le montrer. Non, c'est interdit, monsieur, ça j'ai pardon, vous confirme. Oui, non, mais moi je vous dis ce qu'on m'a dit. Hein. C'est le commandant qui me l'a dit. Il est réservé aux forces de l'ordre justement pour bien différencier les citoyens lambda et les forces de l'ordre. Après, c'est juste pour. C'est pour ça en fait. J'irai l'enlever. 5 policiers pour un contrôle d'identité, putain. J'irai l'enlever. Ils sont tous dans le coin, tous dans la zone. Et il fait quoi le mec derrière là avec son arme? Il est bizarre un peu, non? Oui, sur les négatifs. Ah, vous inquiétez pas, il sécurise l'environnement. Du coup, je veux bien récupérer mes documents si vous avez fini. Oui, c'est bon, vous pouvez les récupérer, monsieur Parkinson. Merci. Voilà. C'est bon pour vous? Affirmatif, monsieur Parkinson. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne circulation, les mules. Ok, ils étaient deux en surveillance, deux voitures sur nous, et ils nous ont, ils ont pas contrôlé le véhicule. Juste un petit contrôle de routine, on est reparti. Pareil, j'ai vu un 4x4, une voiture type comme le LSPD mais en BCSO, et une voiture banalisée qui sont passées. Par contre, ils sont tous en G36. Hein. Ouais, ça c'est comme d'hab. Ouais, par contre, le véhicule s'en bat les couilles. Hein. Ok, on peut reprendre nos affaires, messieurs, pour le traitement. Ambre, je comprends pas ce que t'as envoyé là. C'est la photo du traitement, c'est ici que ça se fait? Ouais, exactement. Mais attends, je comprends pas, on sort. Y'a pas d'endroit, c'est pas dans une pièce ou autre. C'est ça le traitement? Ouais, c'est ça le traitement. Faut surveiller. Mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde, c'est. Mais attends, je comprends pas le traitement. On est obligé de sortir du véhicule. Bah oui. Et le traitement, c'est là. Non, on n'en dit pas plus. Non, mais c'est pas dans un endroit.
Non, non, c'est là. J'en dirai pas plus, mais oui, c'est là, t'inquiète pas. Ouais, c'est bizarre. Votre véhicule du BCSO sur la route du traitement, c'est qui est avec? Une sacrée cascade quand même, là. Hein. Vous allez bien? Oh putain, arrête-toi! Attends, je devais faire des tentacules. Donc j'ai pas trop compris là. Vous allez bien? Messieurs Jameson et monsieur Manfield. Attendez, mais c'est quoi? Le BCSO va vous appeler si jamais il vous pose des questions à propos d'un pick-up marron. Vous allez bien? Que c'est un remplacement de nos véhicules de journalistes qui sont en ah, il paraît entendait très bien juste avant votre arrivée en fait. Je pense que ça vient de vous. Oh putain! Bonne chance, voilà, passez une bonne soirée hein. C'est quoi votre nom? Vous seriez pas magicien? J'ai dit, mais je me suis évanoui là, putain de merde. Ah putain! Tu vois, vous avez fait disparaître quelqu'un quand même en arrivant. J'ai jamais vu ça encore. Non, mais je vous avoue que c'est mon petit secret, c'est pour éviter les contrôles. Vous voyez ce que je veux dire? Les contrôles frauduleux. J'ai juste à pointer du doigt et ils disparaissent. Vous inquiétez pas, je vous pointe pas du doigt, vous avez de la chance. Ah bah oui, c'est sûr qu'on fera pas de contrôle sur lui, c'est qu'il soit frauduleux ou non, hein. Voilà, mais faites attention la prochaine fois, messieurs, je vous ai sauvé la vie là. Allez, passez une bonne soirée, messieurs. Bonne soirée, monsieur. Hop, ça dégage. Et je voulais quoi du coup? Du coup, j'ai. Attends. Vu que t'es tombé dans les pommes, je les ai fait partir. J'ai fait genre, c'était un tour de magie, au moment où je t'ai pointé du doigt, t'as disparu. Ah, donc normalement, ils sont en train de partir. Va falloir que tu te réveilles par contre. Coupe le moteur. Voilà, maintenant tu peux me sucer. Ah. Ça va, c'est une blague, putain, à l'ancienne. T'es sûr de vouloir rester comme ça? Ouais, t'inquiète. Mais voyons, le BCSO devait appeler qui, là, rappelez-moi? Jameson ou Manfield. D'accord. Oui, Jonathan Manfield, monsieur. Ah, c'est bon, ils sont retournés sur l'interpellation. Du coup, vous passerez quand en traitement? Commence à faire froid sur la montagne. C'est vraiment ça caille, hein. Ouais, mais les gars, là, il y a beaucoup d'interpellations pour rien. Putain, ils cassent les couilles. On est garé, nous, on est en position. On attend juste qu'ils finissent et ils passent au traitement. Ok. C'est qui les mules, s'il vous plaît? On aimerait savoir. À part des chevreuils et de l'eau. Je suis vide. J'ai tout terminé. Faut que j'attende. Ok. C'est Ambre pas un chevreuil, hein, dans son appart. C'est Parkinson. Il ressemble à un chevreuil. Attends, je suis d'accord. Non, mais est-ce qu'il est en train de chier partout et de bouffer sa mère juste derrière? Mais c'est bien lui, c'est connu pour le service. Non, mais c'est pas possible. Ah, si, je t'assure qu'il bouffe sa mère là. T'as, tu confirmes Parkinson? Ah, ouais, c'est confirmé. Hein. D'accord, très bien. Du coup, c'était qui l'ours qui était avec toi? C'était moi. C'était toi qui lui en a fait le cul? Ouais, voir si c'est propre, c'est familial, ça, c'est différent. Ouais, c'est courant, c'est normal. Putain, son contrôle il est long lui, hein. Là, il y a une seule mule, on est d'accord, hein. Il y a un seul véhicule chargé. Et si j'ai bien compris, c'est Greg qui s'en occupe. Ok. Non, c'est Manfield qui l'a. Quoi? Là, il s'est fait arrêter avec le véhicule chargé? Oui. Ah. Et suivez le noir, il est parti vers là-bas, mais c'est bon, vous inquiétez pas, ça ira, je pense. J'espère que je le reverrai pas, quoi. Si vous le trouvez, vous lui direz qu'il paye ma facture de garage. Ok, voiture du BCSO qui arrive vers toi, Manfield. 4-4 du BCSO. On est bien posé, nous. On est dans l'entrée des gitans. Pas de défaire là-bas, ça peut. Un 4-4 BCSO qui s'est arrêté. Il y a un 4-4 qui s'est arrêté là, à notre niveau. Ok, il est reparti, il arrive vers vous. Poison, tu vas pas tarder à le voir. Il vient de se réarrêter encore. Pour l'instant, j'ai rien. Sirène, interpellation sur Ambre, je crois, non? Ambre, tu es là? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est pour nous. Attends. Oh, véhicule du shérif. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien, messieurs? Ouais, vous avez descendu le véhicule, s'il vous plaît. On a déjà eu un contrôle, monsieur. Ouais, je sais, vous avez déjà eu un contrôle, mais il va y en avoir un deuxième, monsieur. Et pour quelle raison, cette fois? Vous allez sortir du véhicule et vous mettre dos au véhicule, s'il vous plaît. Bah, c'est le shérif qui a raison, j'espère que c'est pour lui. J'ai pas besoin de vous donner de raison, monsieur, pour l'instant. Bah, c'est valable pour un contrôle. Contrôle d'affilée, putain. C'est-à-dire que pour l'instant, vous allez faire ce que je vous demande et puis après, je vous donnerai des explications, d'accord? Parce qu'en soi, on fait rien de mal. Donc vous allez vous mettre dos au véhicule, s'il vous plaît. Il y a des chances que des fois, j'étais juste en train de me faire sucer par mon propre cousin, on a le droit, non? Très bien, ça me pose absolument aucun problème, monsieur. Tenez un œil sur le monsieur qui a le t-shirt blanc, le monsieur avec le haut noir, il va venir à la coin. Pirati, shérif. Oh non, putain. Suivez-moi, monsieur. Bah, tout à l'heure, hein. Suivez-moi, monsieur. Et franchement, ta pipe était incroyable. Bon, allez, dites-moi là, faites vite. Elle passe sous le pont. Non, mais ça va prendre le temps que ça prend, monsieur. Analyse des policiers. Non, on a une vie, hein. Je suis directeur, j'ai pas le temps. Ouais, c'est bien, ça me fait une belle jambe. Très bien, je vais vous le demander une seule fois, monsieur. Elle a passé le pont. Est-ce que vous avez sur vous? Ou est-ce que votre ami a sur lui? Ou est-ce que dans le véhicule, au cœur du véhicule, il y a des stupéfiants? Et des stupéfiants, c'est-à-dire du Coca-Cola? Des stupéfiants. Des stupéfiants. Cocaïne, weed, je vous le demanderai qu'une fois, monsieur. Je connais bien votre réponse. Alors, ok, quand vous dites stupéfiant, c'est de la drogue. Affirmatif. Parce que vous savez que le sucre, c'est considéré comme bien plus stupéfiant que la drogue. C'est une drogue, d'ailleurs, au passage. Bon, jouez pas au con avec moi, monsieur McGilligan. Mais je joue pas au con avec vous, monsieur. Comment vous appelez vous jouez au con. Monsieur Balkany, oui, voilà. J'ai rien sur moi. Vous avez rien sur vous? Bah non. Si, je dois avoir une boule de neige. C'est pas du stup... Vous pouvez le sniffer, hein, mais ça fera pas d'effet. Très bien. Regardez. Et votre ami? Votre ami, il a quelque chose sur lui ou pas? Bah non, il a rien. On était juste en balade, en fait. On s'est fait contrôler et on a rien. Vous allez être déçus, hein. Donc ça va pas vous déranger si on ouvre le coffre de la voiture?
Bah, aucun problème, non? Aucun problème. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a rien, bordel. Dans rien, c'est 4 lettres, hein, c'est... 08, tu me le gardes en live, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vous allez bien, monsieur 08? Très bien, vous? Ça ouais, va, très bah, bien. On essaie de trouver une voiture, journée, non, mais parce qu'on va pas crier, quand même. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Monsieur, la neige vous manque ou pas, monsieur? Pardon? La neige, elle vous manque? Ah, un petit peu, oui, quand même. Est-ce que vous voulez une boule de neige? Ah non, ça va, c'est gentil. J'ai un manteau réfrigérant. Vous voulez une boule de neige ou pas? Non, ça va, c'est gentil. Ah monsieur, là, le gilet orange. Ouais, il est bizarre, il a pris des stupes. Non, il est dans son état normal. Monsieur, je crois qu'il a... Ouais, faites pas attention. Je suis pas bizarre, monsieur. Par contre, c'est vous qui êtes bizarre avec votre boule de neige. Théo. Ah, ça vous plaît, les boules de neige, hein, monsieur? Ok, Gray, disons qu'on en a pas trop ici au nord. Ce qu'il y a dans les journalistes et remonte avec. C'est normal, c'est un manteau réfrigérant. Oui, j'ai déjà tout et j'attends près de chez toi. J'ai que 24. Non, c'est bon. Tenez, prenez. Pas de soucis. T'as 24 dans le coffre. Attendez, regardez. Oh putain. Non, pas de geste brusque, hein. Mais non, mais vous inquiétez pas, bordel. Ok, attends, plaque Théo, je vais te tenir ce que j'ai sur moi. Vous êtes prêts, monsieur? Je vais le traiter et moi, je vais remonter voir... Regardez. Vous avez pensé à faire une carrière dans un échantillon que je goûte la qualité de ce que vous faites. Attendez, bougez pas. Oh putain! Au prix, monsieur, attention à ce que vous faites. Vous voyez, c'est pour ça que je fais pas tirer dans le coffre. Dans le coffre encore. Ouais, je vois ça. Je vous tire sur deux, on m'appelle le loupeur de tir. Ah, c'est bon, je peux y retourner? Ouais, vous pouvez y aller, je crois. C'est vrai qu'il les a pas. C'est bon, je reviens. Attends. Non, attendez, monsieur. Je vous ai pas donné la possibilité de repartir, monsieur. Vous restez là pour l'instant. C'est bon, pas besoin de bégayer, monsieur. C'est my bad. C'est Bellamy, monsieur, c'est pas Balkany. Ah, d'accord, ok, très bien. Vous restez là pour l'instant. Ok, bon ami. Ça va toi sinon? Ça va pas toi? Fiché, j'espère. Non, on me demande si j'avais ce que j'avais sur moi. Mais s'il y avait des stupes. Alors, il y avait rien, ils étaient déçus. Moi, je pense. Restez de manière. Oui, monsieur. Ouais, bah, sous le siège. De quoi? J'ai entendu quoi? Non. Vous avez rien entendu, monsieur? Vous entendez quoi? Ouais, j'espère bien. Ça va, monsieur? Eh, monsieur, vous voulez un peu de chi? Vous foutez de ma gueule? Ah non, surtout pas, monsieur. Monsieur. Faites attention à ce que vous dites. Je le répéterai pas troisième fois. Non, je comprends, monsieur. Bah, déjà deux fois, ça sera pas mal. Mais écoutez bien, je peux vous avoir des petits tarifs. Non, ça m'intéresse pas. Sur le Coca-Cola. Écoutez bien, monsieur. La crise Coca-Cola. Et le pain. Je peux vous avoir un petit tarot sur du pain. Vous voulez un tarot sur du pain? J'ai une canette si tu veux. Et on a une canette, c'est pour nous. Parce que c'est ton premier service ici. Ah, c'est bon. Et une canette, je la mets dans ma poche, on en parle. Non, c'est bon. Non, j'ai pas de place. Tu sais que ton shérif, il va mourir. Ah, bonjour, monsieur. Tu peux y aller, 11. 11, tu peux y aller. Tu peux y aller, 11. Merci à toi, 11. Ah, il est adorable. Il est adorable, j'aime beaucoup. Bon, je vais payer par quel chemin? Ouais, juste de chemin, ça ira, exactement. Bon, on a vu d'où vous sortez. On vous a pas eu aujourd'hui, on vous aura demain, c'est pas grave. Attendez, mais on sort d'où? Faites attention à vous. Voilà, allez, bonne journée. On sort d'où? Parkinson? Bah, je sais pas, de la route. Ouais, il a dit demain alors. Vas-y, reste. Et coupe le moteur, on est bien là. Là, ils étaient bien dégoûtés. Ouais, largement. Ok, il y a le shérif qui nous a interpellé et il nous a dit mot pour mot, on vous a payé cette fois-ci, on vous aura la prochaine fois. On sait d'où vous venez, voilà ce qu'il m'a dit. Ok. Ils ont oublié leur 4x4 ou... Et bah, ils sont partis côté traitement, faites gaffe. Un seul sur deux. Il y a toujours une voiture avec nous. Ouais, bien sûr. C'est bon, le shérif est parti. Je lui ai demandé et Balkany n'a pas voulu répondre, il a fait son cowboy. Non, il a fait son cowboy. Oui, parce qu'il a confirmé. Par contre, il vérifie pas les plaques ici ou ça se passe comment? L'autre côté est surveillé. Ah oui, mais bon. D'ailleurs, juste, ils sont teubés la BCSO ou pas? Ils contrôlent l'intérieur du véhicule, mais ils contrôlent pas la plaque d'immatriculation? Ouais, bah ouais. Non, c'est juste pour savoir s'ils sont vraiment teubés ou pas. Et pour quelle raison ils contrôlent l'intérieur du véhicule? On avait rien à se reprocher, autant leur donner ce qu'ils veulent. Ils ont pas le droit de contrôler. En fait, ils font que du zèle dans le nord. Ils ont pas le droit. Ils ont demandé. Ouais, mais vous dites non, il n'y a pas de raison. Ah, ils n'ont pas le droit de contrôler, c'est bon ça. Bah, s'il n'y a aucun excès, s'il n'y a aucune atteinte à la loi, ils n'ont pas le droit de contrôler les véhicules, les poches. Ah bon, on va aller chercher des sous. Et même on va aller chercher des sous juste après, mais attends, mais si on n'irait pas maintenant pour faire diversion. Non, c'est qui la moto avec deux personnes là? Comment? Moto avec deux personnes. Au niveau du camp gitan. Au niveau camp gitan. Ok, je surveille l'entrée du chemin. Tu veux les voir? Ombre. Attends. Te préviens s'il faut décoller. Les gars, moto deux personnes, faites attention. Moto bleue. Il me semble. Moi je les ai vus et je crois que c'est Ashley et John, je suis pas sûr. Et qu'est-ce qu'ils branlent là ceux-là? Bon j'en sais rien, ils sont tout dans le nord ces boulets. Est-ce qu'ils sont armés? Ils sont armés ou pas? Affirmatif. Ils ont quoi comme arme? Aucune idée. T'es armé ou pas toi? Ouais, mais tu veux faire quoi? Tu veux les braquer ou... Attends. On est en civil hein? Ouais, mais t'as un casque sur toi là. Un masque, t'as un casque. Oula, un casque c'est compliqué. Ping pour boss, est-ce que tu peux me donner un petit point GPS que je vous rejoigne dans le nord? Merci. Tu veux vraiment les braquer? Attends, tu veux nous rejoindre pourquoi? Pour filer un coup de main? Il faut un autre point de surveillance, hein. Ça sert à rien, on est déjà deux, on est déjà contrôlé trois fois.
Regarde okay, la carte bah, qui t'a été donnée. Jameson, je t'ai envoyé le point, mais ne viens pas du tout au point. Enfin, tu vas dans les alentours, mais pas du tout sur le point. C'est le point où se trouve le monsieur. La mule, elle commence quand, messieurs? Je suis en train, là, moi. Ok, t'es en train de traiter, là? Ouais. Ok. Bon, bah, on garde les radios allumées, messieurs. Je rappelle qu'il y a une moto avec deux personnes qui traînent vers nous. Hein. Ils sont pas repartis, hein? Ils sont pas repartis. Et tout à l'heure, j'en ai vu un à pied dans le rétro. Ouais, bon. Ils sont Est-ce que tu peux venir tout de suite au traitement? J'ai un souci, je peux plus. Je sais pas, il se passe rien, je peux plus rien faire. Hein? Comme attention, si le shérif est côté base militaire, il peut arriver rapidement dans le coin. Comment on zoom? Dis-moi quand t'es là, je vois pas, je vois rien. Dépêche-toi. Glisse ton doigt sur là. Je suis à 1 km. Attendez, je crois que c'est deux flics. C'est deux flics, putain. Au camp des gitans? Ouais, c'est deux flics au camp de gitans, ils sont en roue. La meuf là, qui se prend pour Lara Croft. Ah, c'est pas eux qui sont sur Instagram là? Regardez sur Instagram. Faites une photo. Elle est plus au LSPD. Ok, elle est plus au LSPD. C'était les deux anciens flics là. La meuf qui se prend pour Lara Croft et un gars. C'est pas la meuf qui est enceinte? Je crois. Ah, mais ça devait se bécoter derrière les cas. Ils sont encore là. Ah, j'ai envie qu'ils tombent. Mon gars, t'arrives soon là ou pas là? Ok, ils sont partis, c'est bon. Mais par contre, ils étaient en roue hein. Donc, si elle était une flic, je vois pas pourquoi elle se serait teint les cheveux en roue. Le LSPD sont les... en ouais, c'est aussi, le LSPD qui s'est teint en roue. Bah oui, donc apparemment, on m'a dit qu'elle était plus à la LSPD, mes couilles hein. Non, elle est plus. C'est quoi son nom? Et c'est la meuf, je vous ai dit, vous savez, avec le holster là. Mikayashi là, je sais pas quoi. Et le mec, de toute façon, j'ai pris une photo. Je vous envoie ça. Ok. Il reste combien à traiter? Bah là, on a traité 240, je crois, 250. Ça va être long. 80, 240 et 20 chacun, donc 300. On a traité okay. Là. Ok, on refait une tournée? On peut, mais allez, là faut aller chez moi par contre. Et là ça va être long par contre chez moi. Et ouais, mais de toute façon faut entreposer tout ce qui a été traité. Hein. C'est où chez toi? Là je suis sur le point de traitement. Moi chez moi c'est au-dessus de la super. Au-dessus de Sierra 1. Est-ce que ce qui a été traité, on peut pas le donner à poison à son appart? Non, bah, mieux que je garde que l'argent. Ouais, voilà. Vaut mieux que tu gardes l'argent final, ok. Au-dessus de Sierra 1, une villa c'est ça? Ouais. Ouais, il okay. Y en a deux, c'est une des deux. Et ben on part en route, au pire on suit tous, comme ça ils pourront pas contrôler plusieurs véhicules. Mais de toute façon, il y a que moi qui peux rentrer et sortir, parce que le problème c'est que si je sors et que vous êtes dedans, vous pouvez plus sortir. Non, mais on va juste devant jusqu'à chez toi, juste on t'emmène devant. Ok. Ok, et dis-nous quand Black, tu passes par la route, on te rejoint. Black, t'as plus rien à traiter? Bah en fait, c'est que j'arrive pas à ouvrir le coffre d'aucun des deux véhicules. Ok. Ah, tu peux te dire quand tu décroches ou pas? Ouais, t'inquiète. Et ben voilà, là on commence à traiter de la drogue, on avait pas mal de drogue sur nous. Peut-être revenir. Vous me dire qu'est-ce que vous faites encore là? Sirène de police, faites attention. Ouais, je surveille le chemin côté est, hein. Tout ce qui arrive du pont du lac, je vous le dis si ça arrive ici. Ok, si c'est une voiture de flic, on se met en plein milieu de la route, d'accord? Tu fais genre tu tombes en panne au milieu de la route. Attends, mets-toi au milieu. Mets la travers. T'en as sur toi normalement, Black. Viens traiter avec moi. T'en as 20 sur toi, je crois, je t'en ai donné. Monte sur le 4x4 pour monter. Il y a un garage à gauche. Bon, il est cédé, mais le moteur est coupé, j'arrive pas à redémarrer. Ouvre le capot. Ouais. Mais si on est en plein milieu de la route. J'arrive, je suis dans les alentours là, c'est bon. Ouais, commencez à faire vite quand même, parce que là c'est bizarre. Pour partir, vous pourrez partir par un chemin de terre, il y a Pink qui est au pont, tout au bout, à l'ouest, qui a le visu. De là où on est venu, c'est ça, Poison? Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un en place déjà qui est en train de guetter là, dans mon secteur. C'est Poison, non? Tiens, va traiter ça. Non, moi je suis en montagne. Bah c'est qui alors? Aucune idée. C'est la dernière fournée là, messieurs. Allez, on se dépêche. Après, tu me viens direct dans les poches, parce que toi, je me barre direct. Je pars à droite, je pars à gauche, tu pars à droite, ok? Et vous roulez souple, tranquille. Moto qui revient, moto avec les deux mêmes personnes qui revient. Sans casse, sans rien. Ferme les gitans ou quoi? Ferme le capot, vas-y, recule. Tous les flics sont rouquins, faites gaffe. Ouais, on le sait. Oui, mais c'est de même, c'est sûr. Ouais, mais là, c'est la même moto, c'est les mêmes fringues et tout, là. Je comprends pas leur délire, eux deux. Au pire, je sors demander ma route. Tu es parti aussi, c'est bon, vous décrochez? Ouais. On décroche. Pareil, bouge. Je décroche. Ok, il bouge. Ok, on décroche, messieurs, on se donne rendez-vous au-dessus de Sierra 1. On va refaire un aller-retour si ça vous gêne pas. Je vais traîner, moi, du côté d'UBCSO. Ils traînent beaucoup par là, les deux autres. Hein. Ils sont encore là, les deux autres? Non, je suis plus sur le secteur. On a réussi à prendre des photos, on vous envoie ça. Ok, bien prêt. On va au-dessus Sierra 1. C'est très très calme dans mon secteur. Ok, restez en position, hein. On va essayer de les escorter. On arrive, hein. Écoutez, les deux rouquins, ils sont sur le pont du lac. En train d'observer le point. Eh, c'est qui vaut combien là les 200 pochons qui ont été faits à peu près? Bah, tu multiplies ça par 320 plus un pourcentage des fois c'est plus heureux, voilà. En comptant la petite retenue plus la division. Non, mais des fois, je sais pas, c'est bizarre, des fois t'en as 3, des fois il y en a des plus raffinés que d'autres. Je sais pas trop comment c'est calculé, mais des fois ils me donnent un peu plus, des fois non. Des saphirs, je n'ai plus vu sur les deux touristes rouquins. Moi, je pense qu'ils sont encore à la LSPD. Bon, besoin d'aide? Ouais, j'ai envoyé mon cousin.
Ouais, je pense qu'on va faire, je vais rester dedans et vous allez descendre et remonter. Parce que si moi je sors, c'est fini. Je vous invite. Et après, je mets ça dans ton coffre du pick-up. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, mais t'as bien fermé le pick-up. Merde, tu peux pas fermer le pick-up, c'est pas moi. Putain, t'es trop lourd. Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Bah, je sais pas, j'ai que mon chiffre. Combien? Tu fais 25 par 25. 25 normalement, si t'as pas moi, trop de trucs sur toi. Putain, je peux pas, je suis apparemment, je suis plein. Je peux pas, je suis plein aussi. C'est quoi, c'est quoi? Bah, t'es pas alors 15, monte à 15, t'es mort ou quoi? Non, non, même 10, je peux pas. Mais vous avez quoi dans vos poches? J'avais 300 sandwichs ou quoi? Même 5, je peux pas. Mais attends, mais c'est bizarre ça. Moi, dans mes poches, je vais te dire ce que j'ai, hein. J'ai 4 badois, 9 badois, 2 chargeurs, 9 crises. Ouais, c'est les chargeurs qui pèsent lent. C'est ça qui pèse lent. Attends, bah attends. Ouais, venez, bah venez, go sortir parce que moi je vais sortir, je vais faire. On fait les allers-retours, au pire on surveille le van. Ok. On peut pas l'aider parce qu'apparemment on a les poches pleines. Ping pour radio, il y a des cougars dans le coin où je suis ou pas? Oh oui, sûrement, oui, fais attention. Ouais, sûrement, ouais. Oh shit. Normalement la mère de Jelali est en sûreté, mais bon, c'est un malentendu. Méfie-toi. Poison, va falloir qu'on embauche au taxi pour qu'il fasse le boulot quand on est en OP. Hein. Va falloir qu'on trouve des gens solides. Hein. Le BCSO continue de tourner dans le secteur. Pour demain. On est plein. Non, il y a Médéric qui est parti. Ouais, c'est vas-y, mets-toi, monte, vas-y. Et pourquoi ils conviennent en fait? J'ai rien compris. Bah demande-lui, parce que j'ai créé des SMS. On est censé faire quoi? T'attends juste que disparaissent. Rentre pas, Gray. Reste dehors. Si je sors avec tes dents, ça fait le bordel, t'arriveras plus à sortir après. Il sort d'où celui-là? C'est bon, il est revenu. C'est moi. Allez, c'est on décolle. Il est revenu, c'est bon, vas-y, va au point. On est en chemin là tous. Gray aussi. Voilà. Ok, bah je vais un petit peu d'avance. Mais le problème, c'est que je suis avec quelqu'un qui a une conduite un peu trop exemplaire. Tu veux qu'on soit contrôlé encore une fois? Ça changera rien. Bah si, je prends une amende. Oh putain, mais t'es vraiment une salope, hein. Bah quoi? Mais gros, on va se faire doubler par eux. Mais non, t'inquiète pas. Ok, messieurs, je vous informe que nous sommes en position sur le camp gitan, c'est bon. Vous pouvez commencer les traitements si vous avez l'approbation de tout le monde. Ça fait elle pour le poison, putain, tu reprends le même point. Genre là. Ok, ouais, moi je vais me placer pour voir la route du nord du camp gitan. J'aurai un peu plus d'amplitude là, comme ça. J'espère que j'ai paniqué ta caisse, Gray. Mais y a pas Pink à cet endroit là? Non, Pink il est complètement à l'ouest. Ok, pour nous tout est bon, aucun signal. Stand-by de Saphir, pas encore en place. Tiens au courant de tes étapes, Ghost. C'est Black. Pas un van qui vient de passer là? Si, je crois que c'est un aussi. Ça. Ok. Tout est calme pour l'instant. Je suis en approche du point, est-ce que le point est clair? Est-ce que personne n'a vu de choses bizarres, de personnes bizarres? J'ai un camion Bosco qui vient de passer devant moi, direction camp gitan. RAS pour moi. RAS. RAS pour moi. RAS côté nord. Ok, je fais juste attention parce qu'il m'a dit qu'il y avait un camion qui arrive vers moi. Je commence le traitement. Là, c'est trop bien l'orga qu'on a, hein. Vraiment. Là, on a une putain d'organisation pour la cocaïne. Juste pour le traitement, c'est insane. Messieurs, faudra bien enregistrer notre organisation pour le traitement parce qu'elle est vraiment propre. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il y en a qui sont beaucoup plus simples. Hein. J'en parle pas ici parce que c'est des points compliqués. Oh, mais non, on verra. Je vous en parle. T'inquiète. J'arrive quand j'étends, je crois être suivi par un Hummer noir. Ok, bah rentre pas dans le point là. Attends, je garde. Non, je vais rentrer dans le camp. Je vais rentrer dans le camp de gitan. Ok, on va te voir. Ok, c'est toi qui vois là. Pas parler comme un poète. Ouais, c'est moi qui arrive. Ok. Mets-toi derrière. Mets-toi derrière le devant le Hummer. Attends. Ok, le Hummer trace. Ça a l'air d'être un citoyen lambda. Ok, le Hummer arrive sur vous. Gardez-le en visio au cas où. Ah, bien pris. S'ils s'engagent sur le point, avec Ghost, on se cache et s'ils avancent sur nous, on les canarde. Hein, là, il est hors de ma vue là, donc c'est vous qui allez le voir maintenant. Ouais, j'ai rien pour le moment. Ok, Gray, je pense que tu peux y aller, non? Attends. Tu veux qu'on y aille, Gray, pour voir et te dire? Non, reste en place, Non, je crois que mon véhicule est foutu vu que Ambre a foncé dedans, j'entends le moteur fumer, donc il faudra qu'il vienne changer les. Ah, viens, t'inquiète. Le Hummer semble s'être arrêté parce que je viens de le rattraper. Attends, vas-y, je vais m'occuper. Tu veux que je m'occupe du Hummer à pied? C'est toi qui vois, là, il arrive bientôt sur le pont. Ok, attends, on va attendre un petit peu. Dis-moi s'il a un chemin bizarre. Merci, la mienne est finie, messieurs. Ok, on attend la deuxième et puis on part tous ensemble et ça sera un GG, messieurs. Ouais, bravo. Là, on aura fait la moitié de tout ce qu'on a. Et demain, on fait la finition pour avoir l'argent, messieurs. Demain, je pense que je vous enverrai le point. On en parlera si vous voulez hors caméra. Mais, c'est bon, tu t'envoies juste la carte avec les points de surveillance et on sera bon. Ouais, si vous voulez, mais là. Allez, on dégage, messieurs. Je vais pas dégager avec vous, je vous laisse prendre le véhicule. Allez, monte. Dépose-moi au service taxi. Bien joué, les gars. Petit point. Bien joué, messieurs. On verra demain pour la vente. C'était. Il fallait le faire. C'était chiant, mais il fallait le faire. Félicitations. Saphir, t'as moyen de me récupérer ou pas? T'es à moto? Enlève ton casque. T'es où, Gray? Je te cherche. Ouais, poison, je pars dans les petits chemins vers le pont du train. Ouais, bah, okay, c'est du bon côté. Noob Tracker? Tout le monde a décollé du point, c'est safe? C'est bon, on est en train de décoller calmement. On rentre en ville à vitesse modérée. Faites attention sur la route, vous faites pas. C'est bon, vous inquiétez pas pour ça, je vais faire attention. Et voilà. Tu demandes. Allez, passe une bonne journée. À toi aussi.